Salut, c'est Yannick Bonheur sur MCE. J'ai été 5 fois champion de France en couple. J'ai participé au championnat d'Europe et au championnat du monde. J'ai fini entre autres 6e au championnat d'Europe, c'était mon meilleur résultat. 12e au championnat du monde et j'ai fait 2 Jeux olympiques en 2006 et en 2010. Dans ce genre de show, c'est de pouvoir communiquer avec le public, ça j'adore. C'est vrai que en compétition, on n'a pas la possibilité de se donner comme ça, et aussi par rapport aux éléments qu'on effectue en compétition, c'est plus strict, on est jugé. Pendant les shows, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut montrer des acrobaties qui sont interdites en compétition. Alors le spectacle d'Holiday on Ice, c'est Time. Donc c'est un peu quand on a un album photo, qu'on passe un album, qu'on regarde les photos, ça retrace un peu le temps, les musiques qui sont authentiques cette année, ce qui n'est pas arrivé depuis, ce qui n'est jamais arrivé en fait sur le spectacle d'Holiday on Ice. Ma partenaire a déjà fait un an sur l'ancien spectacle et c'est la première fois pour nous deux sur ce spectacle-là. Donc on est vraiment content de pouvoir patiner. Déjà en Allemagne pour elle et pour moi en France, ça fait 5 ans que j'ai pas pu patiner en France en fait, et c'est vrai que c'est un réel plaisir de pouvoir retrouver le public français. C'est très excitant, c'est encore des juges parce qu'en patinage on est jugé bien sûr par des personnes aussi, donc c'est encore des juges, mais il y a moins de pression, c'est plus sympa. Bien sûr, il faut essayer de passer les étapes par étapes, mais il y a aussi une communication avec le public qui est intéressante. Et c'est d'autres challenges. Quand on est sportif, on a envie de se donner des objectifs, des buts. Et c'est vrai que de pouvoir trouver autre chose que ce qu'on a fait en compétition, comme ça, dans des émissions télé, c'est assez sympa. Je pense mon dernier titre de champion de France. Avec ma dernière partenaire, et aussi les championnats du monde en 2009 et les Jeux olympiques en 2010. J'ai remarqué que pour chausser le patin, c'est toujours le gauche, et des fois j'ai essayé le droit et je me sentais pas pareil. Je veux être plus tard entraîneur, donc entraîneur de patinage. Monter une école de couple serait intéressant, et aussi en même temps continuer à faire des shows. Word, but that was when I ruled the world.